Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce soir parce que je vous fais la vidéo ce soir. C'est assez rare que je tourne des vidéos en soirée, mais là les amis, c'est cas de force majeure. Donc je vous explique un petit peu tout. Vous voyez que je suis à 2969 trophées, donc je vous mens pas, c'est mon record. Et je suis à éventuellement un fight ou pas de la légende, de la ligue légendaire. Donc c'est un petit peu le but ultime de mes séries de vidéos que je vous ai fait. Je vous ai fait bouffer, donc les amis, c'est la conclusion. Je suis à... Franchement, je suis un peu... Je me chie un petit peu, pour être honnête, parce que j'ai peur de jamais y arriver. Donc, je vous montre mon deck. C'est toujours le même, donc le combo double prince. Franchement, ça fonctionne pas mal du tout. J'arrive bien à verrouiller avec la TDE, donc malgré le fait qu'elle ait été patchée deux fois. Franchement, je m'en sors pas trop mal. Après, c'est assez... assez aléatoire, mais bon, j'ai quand même fait un sacré bond en avant en termes de trophée, donc ça fait plaisir. Ben écoutez les amis, je vais pas vous mentir, j'espère tomber sur quelqu'un qui est plus haut que moi en trophée pour espérer prendre au moins 30 trophées. Donc s'il est à peu près au même nombre de trophées que moi, il risque d'être présenté à 30. Donc faut qu'il ait au moins 2970, et au moins, ben, plus il a, si je perds, au moins je perdrai le moins possible. Bon les amis, je crois qu'il faut arrêter de parler. Allez, on va y aller, je suis un peu en stress. Alors malheureusement pour moi, il a moins de trophées que moi et c'est un level 10, donc juste le pire truc pour moi, parce que ben, c'est pas avec ce fight que je vais monter légende, du moins pas qu'avec celui-là. Donc ce serait con de le perdre. Alors on va essayer de pas trop s'envoyer en l'air, on va voir un peu comment ça va se passer. Donc là, petit spire gobelin pour grappiller un petit peu. Bon, qu'est-ce qu'on va lui envoyer à lui? Putain, j'hésite un petit peu. Alors, je pense que, franchement, j'aurais bien fait un petit combo d'attaque maison, mais le problème, c'est que... Putain, ça me fait chier de gaspiller la boule de feu, mais il faut absolument que je tape sa princesse. Bon, les amis, il faut que je mette la TDE et qu'on commence à défendre calmement. Allez. Waouh, ça sent pas bon pour moi du tout, parce qu'il m'envoie un prince. Alors, en espérant... Ah, putain, ça sent pas bon, les mecs. Ça sent pas bon, plus si gèle. Alors là, le prince, faut absolument qu'il meure. Bon, on s'en sort bien. J'ai eu un petit peu peur, donc c'est un mec qui joue le sort de gel. Ça, c'est une info qui est bonne à prendre, parce que ça peut éviter de se faire piéger. Donc, écoutez les amis, alors, on va laisser remonter l'élixir. Si je peux éventuellement poser l'extracteur, ce serait génial. Ce serait génial. Bon, on lui a mis une tour, on lui a mis du dégât sur une tour. Ça veut rien dire, je veux pas du tout m'enflammer. Bon, il a clairement des troupes qui sont meilleures que les miennes. Je crois qu'il avait un prince level 5, moi le mien est 3. Donc, bon, je vais pas dire que j'ai d'autant plus de mérite, mais je le pense. C'est vrai que c'est assez compliqué, donc les mecs, j'ai bien envie de lui tenter double combo. Allez, double combo, j'envoie même les gobelins derrière. Allez, faut qu'on lui pète une tour. Faut qu'on lui pète les dents. Ouais, on va lui péter une tour, les mecs. On va lui péter une tour, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Alors maintenant, on pose la TDE au calme. Voilà, là, si on peut prendre l'extracteur, c'est parfait. Alors là, il a le sort de gel, donc je m'attends à ce qu'il pose son sort de gel éventuellement. Non, il pose pas. Bon, tant mieux. Parfait. Parfait, bon, d'accord, il pose son sort de gel maintenant. Ok, on envoie un petit prince au calme, s'il peut mettre quelques dégâts. Bon, c'est toujours ça de prix. Je pense qu'il est en train de se rendre compte qu'il merde son attaque. Mais bon, c'est pas encore joué, ne nous emballons pas. Ça peut vite tourner, ça m'est déjà arrivé, franchement. Ça m'est déjà arrivé, ça fout un petit peu les boules, même si on est pas mal. Là, j'ai une TDE en bas dans mes troupes, donc on va pas la doubler, celle-là. Je pense que je vais un petit peu attendre. Je pense que je vais un petit peu... Quoi que je vais la doubler. Ouais, je vais la doubler. Je change d'avis assez rapidement, mais je pense que je vais la doubler. De toute façon, on va protéger. Ouais, c'est bon, il est largué. Putain, les mecs, ça sent bon. 26 secondes, on sera malheureusement pas en Ligue Légende avec ce gameplay, je pense pas. C'est même sûr, je vais pas prendre 31 trophées. Mais bon, c'est toujours ça de prix. Alors là, il tente une approche. Je pense que je vais la dévier, voilà. Au calme. Voilà, là, on l'a dégoûté du jeu, je pense. Ça fait plaisir. Donc, les mecs, 9 secondes, je pense... Voilà, je pense pas qu'il y ait de revirement de situation. Là, je pense pas que son prince ténébreux il puisse prendre la tour d'archer en 3 secondes. Voilà. Bon, ça fait plaisir, les mecs. On n'a jamais été aussi proche de la Ligue Légende. C'était le cas. Ça l'est encore plus. Donc, les mecs, plus 22. Ok. Bon, c'est un petit peu la déception parce que 2991. J'ai même pas envie de parler dans le chat, de me masquer. Les mecs, je pense que. Bah, je pense qu'il n'y a rien d'autre à dire. Vous voyez que j'ai mes petites épiques level 3 et 4. C'est un poil léger, quoi. C'est un poil léger, quand même, par rapport à ce que je viens d'affronter. Vous voyez, prince, putain, il avait un combo de prince level 5.
Il avait l'extracteur un level au-dessus. Bon, le gel, je suis pas trop sûr que ça aille bien dans cette compo. À la limite, je la mettrais peut-être à la place de l'extracteur à sa place. Mais bon, allez. Bon, les mecs, c'est bon, vous êtes chauds. Moi, je suis... J'ai un peu la tremblote, je vous cache pas. Allez, c'est parti, on se le tente. Il nous manque 9 trophées. Donc là, par contre, pour le coup, j'espère tomber sur un mec le plus bas possible. J'ai besoin que de 9 trophées, donc je m'en fous. Bon, on tombe sur un level 8, ce qui est assez rare, à 2854. Bon, c'est pas forcément un mauvais tirage, à voir un petit peu comment il se débat, parce que c'est vraiment la qualité qui fait la différence. On l'a vu sur le gameplay précédent, où j'ai battu un combo de héros supérieur. Alors lui, il joue les 3 mousquetaires, alors ça, les amis... Ah, est-ce que je vais les prendre? Ouais, ça va. Ça, les amis, c'est pas mal pour moi, parce que la boule de feu, elle contre assez bien. Elle one-shot pas, mais quand même, elle fait beaucoup de dégâts. Donc là, vous voyez que déjà, voilà, c'est mousquetaire. On en est... Bon, allez. Son géant, ce serait bien qu'il mette pas du tout de dégâts, par contre. Ça fait chier. C'est dommage que j'ai pas eu la TDE. Bon, allez, on va essayer de balancer un double combo de prince. Je suis pas sûr que ça aille... Ouais, on est pas mal. On est pas mal, les mecs. On est pas mal, les mecs. Putain, j'ai de la pression. Bon, on est bien, on est bien, on est bien. Allez, on va pas s'emballer. C'est pas encore fait. C'est pas encore fait, on a une tour d'archer d'avance. Les mecs, j'ai un palpitant, ça me... Allez, on est bon. On est pas mal, on est pas mal. Donc là, maintenant, comment il va répliquer? Comment il va répliquer? Bon, il joue son extracteur, donc lui, il s'affole pas. Clairement, il a l'air de gérer sa petite compo. Il a pas l'air plus excité que ça. Donc on va essayer de défendre. Il m'a quasiment pas mis de dégâts, donc ça, c'est plutôt pas mal. Alors... Qu'est-ce qu'il va nous envoyer? J'ai plutôt envie d'être dans la défense que dans l'attaque, mais là malheureusement il me force à lui envoyer la pression. Donc là, qu'est-ce qu'il va me faire? Avec quoi il va contrer? Putain, il contre pas le mec, c'est un truc de fou ça. Ouais, il contre pas des masses, ok, ça c'est plutôt cool. Putain, l'armée de squelettes, je trouve ça pourri. Bon, ça va, la princesse va s'en charger. La princesse va s'en charger. Bon, on est pas mal. Allez, reste une minute. On lui a quasiment pris sa tour. Alors, attendez, on va essayer de dévier tous les géants. Là, ce serait cool qu'on puisse les dévier. Ce serait vraiment cool qu'on ait une T2 qui revienne, par contre, là, les mecs. Ce serait vraiment super, parce que ça me plaît pas du tout, ça. Ah, le petit bombeur qui va faire bien chier. Ah, putain. Ah, putain, c'est pas bon, ça. Bon, les mecs, t'as les princesses. Qu'est-ce qu'elles sont, quoi, putain. Qu'est-ce qu'elles sont. Oh là là, qu'est-ce qu'elles sont connes. Putain, les mecs, c'est un truc de fou. Hein. Bon, allez, 318 dégâts, c'est quasiment fait. Voilà, on lui a pris sa deuxième tour. Là, je lui envoie sur les 3 mousquetaires. On n'est pas trop mal. Il va mettre la pression jusqu'au bout, 18 secondes. Je vais essayer de poser une autre TDE. On va essayer de la tirer par là. Putain, je sais pas si j'ai pas fait de la merde. Non, ça va. Putain, on a bien géré, les mecs. On va être légende. Ça fait trop plaisir, je vous jure que ça fait trop plaisir. J'ai galéré, putain, on y est les mecs. 2 secondes, 1 seconde, ouais, c'est bon. Les mecs, c'est juste génial, c'est génial. Putain, je vous fais ça en vidéo. Allez, on valide. On est arène légendaire. Ça, les mecs, franchement, j'ai pas suivi l'actu de tous les youtubeurs. Ça a peut-être dû déjà être fait en live, mais ça fait... hyper méga plaisir, les mecs, on est légendaire sur Clash Royale. C'est une putain de super bonne nouvelle. Oh là là, c'est génial, les mecs, ça fait plaisir. Donc là, bah, clairement, on va le faire, je vous le fais vivre en direct live, hein. Voilà, c'est cadeau, ça fait plaisir. Donc les amis, écoutez, je vais vous le faire mon deck, mais vous allez le bouffer pendant 5 minutes. Vous allez le bouffer dans ce deck, les amis, je vous jure. Donc c'est un mec de mon clan, je l'ai déjà dit, mais je le redis. Il m'a filé ce deck qui est génial. Il est génial parce que déjà la TDE va défendre sur Golem PK, sur les grosses troupes. Et après, ben, vous allez générer un maximum d'élixir avec ça, avec la boule de feu. Vous allez pouvoir shooter les troupes, les full casernes, ou différentes choses. Ou les hordes de minions, avec la princesse. Vous pouvez faire plein de choses d'assez loin. Donc les mecs, ça fait plaisir. Les petits gobelins, super précieux. Et le combo de prince, qui est juste génial. Bon, j'ai vraiment hâte de les EP. Mais les mecs, ça fait super plaisir. Putain, qu'est-ce que c'est bon.
qu'est-ce que c'est bon, qu'est-ce que c'est bon. On aura enchaîné une sacrée série de victoires au passage. Plus 18, plus 22, plus 33, 0, plus 33, plus 20. Ouais, il y a un moins 26. Donc, franchement, mais on aura enchaîné une sacrée série, les mecs. Elle est pas belle, la Reine des Gens, les mecs. Ça fait pas plaisir, ça. Voilà. Eh bien, écoutez, c'est pas mal, parce que du coup, maintenant, quand je vais choper des coffres, je choperai des coffres les gens, donc il y aura plus de cartes, plus d'or, tout sera plus. Donc, les amis, bah, écoutez, je vais pas faire durer la vidéo plus longtemps. Mon deck, vous le prenez en photo, vous faites le même, vous le testez, au calme. Franchement, moi, j'ai pris quasiment 400 trophées depuis que je l'ai, ce deck, et j'en ai mis des decks. J'en ai mis des decks à base de golem, de P.K., de tout ce que vous voulez. Il y a plusieurs variantes, mais celui-là, vous le gardez, prenez-le en photo, vous le mettez dans un tableau chez vous, voilà. Il faut vivre avec ce deck. Voilà, Clash Royale, c'est ce deck. Voilà, les mecs. J'espère vraiment que ça vous aura plu. Vous me lâchez un gros pouce bleu pour me faire plaisir. Franchement, les mecs, ça ferait vraiment super plaisir que pour cette vidéo en cartonne. Très content de clôturer la série en Rush Legend. Du coup, c'est du passé. Maintenant, le prochain objectif, ce sera éventuellement déjà de ne pas redescendre et d'essayer de monter encore plus haut. J'espère que ça vous aura plu, les mecs. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. A plus, bye bye.